Allez, pour tous ceux qui ont acheté ce produit, on va leur offrir un tour qu'on a envie de leur offrir. Ça fera des cadeaux, Exactement. ça fera des cadeaux en plus. Allez. Allez, tiens, j'ai pris deux jeux différents, mais alors complètement différents. C'est autant au niveau du dos, du design, qu'au niveau également de la couleur, puisque j'ai un jeu rouge et un jeu bleu. Ce que je vais te demander, Thierry, je vais te demander de me désigner un jeu, n'importe lequel, celui que tu en veux. Lequel? Le Là. rouge. Allez, ok, très bien. Alors, ce que je vais te demander, c'est très simple. Alors, je vais mélanger les cartes. Quoi qu'on remarque, on s'en fout, puisque de toute manière, c'est tout toi qui vas faire. Sous la table, de façon à ce que on ne puisse pas dire que je triche et que tu triches. Je vais te donner le jeu, et moi aussi je vais mélanger le mien. Voilà. Hop. Bon, je t'avoue que tu aurais pu le mélanger toi aussi, mais. Et je vais te demander de mettre le jeu sous la table. D'accord? Alors moi je vais rester dessus pour te montrer entre guillemets ce que tu vas faire. Je vais te demander. D'abord, tu ne le fais pas. Donc, tu as le jeu face en bas, d'accord? De venir dans le milieu du jeu, n'importe où. Tu peux aller un peu plus en bas, un peu plus haut, mais vraiment où tu veux, mais dans le milieu du jeu, pour vraiment aller chercher une carte bien spécifique. Tu ne la regardes pas, autrement, il n'y a aucun intérêt. Une fois que tu auras sorti cette carte, d'accord? Tu ne la regarderas pas, et tu la poseras face en l'air sur le dessus du jeu. Et une fois qu'elle sera posée face en l'air sur le dessus du jeu, tu feras des petites incantations. Des trucs comme ça. Et une fois que ça, c'est fait. D'accord? De façon à ce qu'on ne puisse pas voir la carte, tu couperas le jeu à peu près au milieu, de façon à perdre la carte dans le milieu, tout simplement. Et une fois que c'est fait, tu reviendras avec le jeu face en l'air, au moins comme ça, même J'ai si tu as tout mal compris. coupé ou un truc comme ça, on ne peut pas voir la carte sur laquelle tu as coupé. Ok? Donc là, pendant que tu parlais, j'ai retourné une carte, je l'ai mise Ah, dessus. donc tu l'as fait déjà? Ouais, maintenant je fais les Voilà, tu fais incantations. les incantations, voilà, et maintenant tu coupes le jeu. Voilà. De façon à ce que tu perds la carte dans le milieu du jeu et tu reviens avec le jeu. Attends, pour l'instant tu reviens pas, mais tu reviendras avec le jeu face en l'air. Maintenant, ce que tu as fait toi, tu es d'accord avec moi que je ne peux pas savoir où tu as coupé et surtout je ne peux pas savoir quelle carte tu as pris. Tout à fait. Je vais essayer de faire la même chose avec mon jeu bleu. C'est-à-dire, je me dis que peut-être tu as dû, alors je vais le faire sous la table aussi, tu as dû prendre, si je me mets dans la même condition que toi, peut-être une carte d'ici. Ah, peut-être un petit peu plus bas. Tu l'as retourné et tu l'as coupé à peu près ici. Ouais. T'as le jeu face en l'air? Oui. Est-ce que on peut revenir comme ça avec le jeu face en l'air? Pas la même. Ah, tu vois, déjà, on n'a pas coupé au même endroit. Non. Bon, tu vas me dire, ça serait quand même extraordinaire que le jeu soit exactement mélangé de la même façon et qu'on ait pris aussi la même carte et coupé au même endroit. Mais on est déjà sur deux cartes rouges. C'est déjà pas mal. Bon, c'est nul, je sais. Ça Oui. te... Mais attends, est-ce que tu peux prendre ton jeu? Et l'étaler, déjà pour voir si t'as coupé, t'as mis une carte au milieu. Ah. Ah, attends, c'est pas mal, regarde. Moi j'ai mis une carte à côté d'un roi, toi à côté d'un roi. Bon, ça veut rien dire. Attends, regarde bien les cartes une par une. T'en as pas mis deux, il n'y en a qu'une Non. seule. Tu peux prendre la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Le 4 de trèfle. T'en as pas coupé d'autres, non? Moi j'en ai qu'une aussi. Est-ce que tu peux prendre ma carte sur laquelle j'ai coupé aussi? Et on a effectivement le 4 de trèfle. Petit miracle. Est-ce que on peut le faire, parce qu'on n'est pas obligé, avec un seul jeu? On peut le faire effectivement avec un seul jeu. On le Tu veux fait? qu'on le refait? Allez. Allez, on le refait. Hop. Ah oui, mais je vais faire une prédiction alors. On coupe, je vais charger un papier, je fais une prédiction. Allez, c'est parti.